Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, avant de parler de vidéo, on va parler de la façon de vous remercier. Plus de 10 millions de vues, bientôt 60 000 abonnés et 180 recettes pour vous. Alors, merci et si vous voulez, aidez-nous à doubler. Que chacun d'entre vous donne à un ami l'envie de s'abonner à notre chaîne, et là on attendra notre nirvana. Et pour ça, on va faire un jarret de bœuf à la bière. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire ce jarret? On a besoin évidemment de jarret de bœuf. Vous demandez, comme je l'ai fait hier à mon boucher, de couper deux morceaux de jarret un peu épais, avec la petite moelle au milieu. On a besoin d'oignons rouges, de la vergeoise ou de la cassonade, de la farine et de la bière brune. En l'occurrence, j'ai pris une bière un peu forte parce que moi j'aime bien quand à la fin il y a encore le tanin de cette bière forte. Mais vous pouvez prendre une bière plus douce, mais brune. Et après, on a besoin d'huile neutre, de sel et de poivre. Comment on fait? C'est très simple. On lance notre cocotte dans laquelle on va mettre de l'huile neutre, pas d'huile d'olive. Hein. On va en mettre un peu en quantité. Et on va faire revenir nos jarrets de façon à les dorer de chaque côté. Vous connaissez la chaîne, on ne va pas vous faire subir l'épreuve de regarder une gamelle dans laquelle des jarrets sont en train de revenir. Donc, on se revoit le temps que je fasse revenir ces jarrets. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes oignons rouges que je vais émincer pas trop finement. Parce que comme elle va passer une heure et demie en cuisson, il en reste un petit peu à la fin. Donc on se revoit quand les jarrets sont bruns. Donc, les amis, j'ai fait revenir mes deux morceaux de jarrets. Maintenant, je mets mes oignons rouges dedans. Peut-être que sur la recette, vous verrez marqué deux oignons rouges. Moi, j'en ai mis trois parce qu'ils étaient assez petits. Donc, en fait, c'est deux ou trois selon la grosseur de l'oignon. Mais rouges. Là, on met bien sûr du feu et on va les faire revenir, on va les faire suer jusqu'à ce qu'ils demandent à ce qu'on arrête de les faire suer. Cette recette, je la fais avec du bœuf. Vous pouvez éventuellement la faire avec du porc. Et puis sinon, si c'est des jarrets de veau, ben ça s'appelle l'osso buco, c'est italien, etc. Le veau, je pense pas que ça va bien se marier. Donc le bœuf, c'est très bien, le porc éventuellement. Là, il commence à brunir un peu. Dès qu'ils vont avoir bruni, on va mettre la vergeoise. Et ensuite, on va mettre la farine qui va lier un peu. On va remettre nos morceaux de bœuf dedans et ensuite on va mouiller à la bière et après cuisson. Voilà, donc vous voyez là, ça commence à être bien brun. Là, je mets ma vergeoise par-dessus. Cette vergeoise va avoir pour effet de d'atténuer un petit peu l'acidité de la bière. Là, je vais singer. Aux questions qui m'ont été posées concernant le fait de singer les oignons plutôt que de fariner la viande, c'est très simple. En singeant les oignons,
Vous allez avoir une meilleure répartition de la farine dans le temps de cuisson et ça va avoir les mêmes effets que si vous mettiez la viande dans la farine. Et c'est pour moi plus répartiteur. Là, j'ai baissé un peu mon feu. Je vais mettre à nouveau ma viande. Ils sont beaux les jarrets, hein. Ils sont gros. Je vais allumer mon four sur 180, grille au milieu. Là, on mouille avec la bière brune. À couvert, ça veut dire on recouvre la viande. C'est là un peu plus, on le met quand même. On est bien sur 1 litre. On couvre, bien fermé. Dès que le four est à 180, on peut couper le feu. Dès que le four est à 180, on enfourne pour 1h30 minimum. Tous les quarts d'heure, on essaye, toutes les 20 minutes, on essaye de retourner la viande. Et au bout d'1h30, on regarde la cuisson. S'il faut, on laisse un petit peu plus. Donc nous, on va se revoir dès que la cuisson est correcte. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Au bout du compte, j'en suis à 2h15 de cuisson. Vous savez, j'ai piqué la viande, etc. Et comme j'avais demandé des jarrets très, très épais, d'habitude, on nous en sert, ils font moitié moins. Donc il y a 1h30 de cuisson, c'est bien. Là, c'est 2h15. Mais ça a permis à la sauce de bien réduire. Et ça va nous faire donc une sauce très concentrée, très bonne, avec une bonne texture. Donc là, on va mettre un jarret dans l'assiette. Oups. Ici un peu d'effet, c'est normal. Et vous, il y a l'os à moelle, il y a tout. Et puis on va nappé de sauce. Vous avez vu, je vous avais dit, hein, les oignons, au bout de 2h15, ils se tiennent encore parce qu'on les a coupés un peu épais. Là, on prend une saucière. On va mettre à côté. Alors, je vous le présente sans légumes, parce que ça, c'est pour deux. Mais sinon, pour les légumes, ce que je vous conseille, c'est vous faites des pommes au four ou vous faites des pommes cuites à l'anglaise ou des frites aussi, hein, on a le droit, hein. De la bière avec les frites, ça va très bien. Voilà les fines bouches, voilà les amis. Le jarret de bœuf braisé à la bière, c'est pas forcément très léger, mais c'est très subtil. Moi, j'ai mis de la bière très brune. Je ne citerai pas la marque. Vous pouvez le faire avec de la bière un peu moins brute, pour que ce soit un peu moins amer ou acide. Mais comme c'est là, moi j'adore. Essayez. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?